qui aura le meilleur maillot. C'est le concept de la vidéo. Comment ça va se passer? C'est très simple. J'ai 8 invités, juste là. Coucou. On va quand même aller un peu plus dans le détail. On a Meitou, le baiser fou ou le monteur. Ça peut être, voilà, il y a deux rôles. Monteur et démonteur. Putain, bien vu. Et des rushers. Mathéa, Alex, Arman, Dobby et Pi. Le meilleur pour la fin. C'est moi la fin, parce que je peux être le propre invité de ma propre vidéo. Les amis, c'est très simple, il y a 9 boîtes offertes par... Non, c'est des boîtes à maillot. Offertes par Le Bon Maillot, ça régale, merci à eux. Dedans, c'est des maillots de Ligue 1. Oh. Ça peut être la Ligue 1 cette année, mais ça peut être la Ligue 1 d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Chacun va prendre un maillot. Il va falloir l'invité principal qui sera placé ici. Pour le désigner, venez, petit tirage au sort. Parce que c'est pas forcément moi les gars l'invité principal. Si t'as une boule orange, c'est toi l'invité principal. Okay, et c'est du blanc. C'est pas toi. Boule blanche. Arman. Blanche. Matisse. Oh, oh là 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 là. Non, t'as pas triché. Vous êtes des rageux, vous êtes des rageux. Trop de rageux ici en fait. C'est ça le problème, c'est tous des aigris. Tu es l'invité principal. Donc déjà, tu choisis ton maillot en premier. Ta boîte. Je suis né le 30, donc le premier 6 c'est le 3, donc je vais prendre le 3ème. Et je te laisse te mettre debout ici. Ça, c'est ton maillot. Je vais donner un maillot à tout le monde. Petite pensée à Véro qui a fait apprendre à laisser. Tout le monde s'en pète un. Non, parce qu'elle a fait Véro. Ouais, de vrai. Véro l'a fait. Avec Arthur. Avec Arthur. Mec, mais non. Super. Elle représentait la région centrale. Là, la cassette, je vais la faire. Mais dans le plus on regardera l'émission. Oui, mais ah, elle est pas passée. Elle a une réaction. Elle a juste ouvert. Elle est pas passée. Bah, elle a joué. Elle a, ah ouais, elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi? 33 000. Ah. Mais divisé par deux, parce qu'elle avec un téléspectateur. Et elle a, joué, elle a gardé sa boîte, alors que dans la boîte qu'elle pouvait avoir, il y avait 200 000. Oh non. Oh non. Gros bisous, Véro. Est-ce qu'elle a pris le numéro de ta naissance ou celui de ton frère? Non, je crois que c'était. Non, par rapport à ma grand-mère. Tout le monde à sa boîte ne sait pas du tout quel maillot il y a dedans. Mathis, c'est du coup l'invité principal, donc tu vas désigner une personne au pif à chaque fois dans l'ordre n'importe où. Et en fait, il va ouvrir son maillot. Et si le maillot te plaît, tu peux l'échanger avec lui. Si le maillot te plaît et que tu échanges avec lui, après tu t'en vas. Celui à qui il a pris la boîte, il retourne en invité principal. Une petite boîte, concept inventé il y a 5 minutes, les gars, m'en voulez pas. Je sais pas si c'est fou, mais on verra bien. Donc là, moi, les gars, je suis en mon propre invité de ma propre vidéo. Sachant que je suis le plus gros footix de tous les invités présents, je pense. Je pense que même Théa regarde plus. Le foot, ne jugez pas. On est tous des merdes. Franchement, Fab, là, t'es tellement posé. J'ai bien envie de voir ta petite boîte là. Tu veux ouvrir ma petite boîte? Ah, je dois ouvrir ma boîte là, du coup, tout de suite. Attends, là, y a pas d'échange, y a pas de banquier, y a pas de. Si ton maillot me plaît. Pour 10 000 euros, ah, ok, d'accord. Ah, oh. Il a l'air sympa. Eh, c'est face clan, j'avoue, wesh. Moselle sans limite. C'est le maillot de Metz. GG, du coup, tu le veux, Mathis, c'est ça? Bah, franchement. Force à Watt, tu vas garder ton maillot. Alors, par contre, quelle année c'est? Je pense que c'est récent. Mais les Messins, les Messois, je sais pas comment on dit, n'hésitez pas à nous dire. Eh ben, tu vas garder ce maillot et tu vas tout simplement nous quitter. Tiens, je vais prendre celui d'Arman, tiens. Prends le maillot. Brest. Oh, cool. Le Havre, il est magnifique. Ah, bon. Il est magnifique. Le Havre qui sont en Ligue 2, qui vont peut-être monter en Ligue 1, je crois. Pionnier. Mais par contre, c'est quoi cette marque là? C'est quoi cool, je ne connais pas du tout cette marque. Je pense que je vais pas le prendre parce que ça rappelle trop les couleurs de l'Argentine. Ah, du coup, tu vas le garder. Dédicave. 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 Dédicace à tous les Havres. Avignon. Bon bah, Arman, du coup, tu vas garder ce maillot. Non, il est beau. Oui, t'aimes pas le Havre? Moi, j'aime pas le Havre. Merde. Ouais, bah, ils sont en Ligue 2 en plus. Ouais, mais ils vont monter peut-être. Et puis ils ont un des meilleurs centres de formation, je crois. C'est quoi? Sochaux. C'est Sochaux. Bah tiens, on va voir si t'es à Sochaux qui va ouvrir ton maillot. Toi, tu voulais absolument Sochaux. Tu peux ouvrir? Non. Oh. Ah, c'est Angers. Angers, dédicace à vous, bientôt en Ligue 2. Ah non, le bâtard. C'est vrai, son dernier place. Les Angers. Ouais, mais force à eux quand même. Angevin, Angevin. Oh, le gros logo, le gros. Le maillot est vraiment pas très beau. Ah, sponsor les cordons bleus. La sponsor cordon bleu. Mais c'est Kappa aussi. Ah, pas confondre avec Kaka. Hein. Il est beau, hein. Le rouge j'aime bien parce que ouais, ça fait un peu rappeler le LOSC, mais par contre le gros gaulois là, c'est ouais, c'est pas beau, puis on est d'accord. De toute façon, Angers je peux pas, donc tu le gardes. Déjà, ça fait quelques temps que t'es invité principal. Fab va te faire une annonce. Mathis, je vais te proposer quelque chose, c'est d'échanger maintenant ta boîte avec celle de Le Bousier. Quoi faire? Juste à attendre et ouvrir, voir ce qu'il a dedans. Pourquoi je vais changer maintenant? Attends, il y a un problème dans les règles du jeu là. Ouais, ça sert à rien. Franchement, c'est intéressant, mais pas du tout. Je refuse. Ma boîte? Non, elle est pas dans la tente, elle est dans le local. Donc, comment on fait? C'est qui? Ah, c'est Nice. Oh, ouais, d'accord. Ah, Nice, c'est pas mal. Alors, attendez. Nice, la Côte d'Azur. Bah, après, la couleur, en vrai, j'aime bien. C'est vraiment le maillot basique de Nice, mais il est beau. Ouais. Tu sais quoi, Pidi? Je veux bien changer ma boîte contre ton maillot. Ah. J'aurais peut-être le seum, on va voir tout à l'heure ce qu'il y aura dans sa truc. Donc là, c'est à mon tour, j'ai la pression. Ok, bah moi. Tout ça pour un putain de maillot, quoi. Dans tous les cas, elle va le laisser ici. En vrai, si ça avait été de la bouffe ou de la thune, j'aurais été plus hype, tu vois. Mais on va ouvrir celle de Bousy, tiens. Okay. Tu pronostiques avant? Bah, Rennes.
Oh, allez, Red Star FC. Mais ils ont jamais été en Ligue 1, c'est encore, encore. Oh, le maillot d'Amélie. Ça, tu mets ça au PMU, t'es incroyable. Bah, je t'avoue, Pidi, c'est pas le meilleur maillot, donc je suppose que tu vas carrément me le laisser. Ouais, et t'as bien raison. Petit maillot du Red Star qui m'a l'air un petit peu aussi trop petit pour moi, on verra bien. Et aussi, petite surprise, le bon maillot m'ont trouvé le maillot que je trouve le plus beau de tous les temps. Et on l'ouvrira en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et j'aimerais bien ouvrir la petite boîte de thé. Père, j'avais du mal à me contenir. Ah, il est beau! Ah, mais c'est vrai! Ah, ça, c'est les Vikings de Brest! Alors, va falloir me... Ah, c'est quand, oui? Orelsan! Non. En vrai, il est sympa celui-là, hein. Ma famille vient de Caen, du coup. C'est rigolo. Pourquoi c'est la couleur du PSG, là? On dirait le FC Barça. En vrai, le dos, ça va, hein. Voilà, dédicace au Canet qui nous regarde. Et à Guillaume. Bah, Guillaume Canet. Je connais pas Guillaume Canet. Qui Guillaume Canet? Marin Cotillard, tu vois, c'est quoi? Ouais, mais Guillaume Canet. Non, mais tu connais pas Guillaume Canet? Non, il fait quoi? Bah, c'était l'ex de Marin Cotillard. Non, mais c'est surtout que fait des films. Ouais. Ah ouais, mais je regarde pas beaucoup de films. C'est Astérix, dans le dernier Astérix et Obélix, t'as pas vu? Non, okay. J'ai pas vu, arrête. C'est pas grave, Arman, y'a pas de problème. C'est pas grave, ils m'ont attrapé le col, mais ils m'ont dit c'est pas grave. Bah, on va ouvrir celle de. La petite boîte d'Alex, tiens. C'est Reims, c'est Brest. Ah, ça m'a l'air d'être Reims ou Brest. Oh, avec le petit col, il est beau. Je crois que c'est Reims, ça, non? Les Reims, dédicace à eux, je crois, ils ont 14 ou 15 de matchs sans défaite. Les allers-retours et Ligue 1, Ligue 2 aussi, ils en ont fait beaucoup. Ah putain, ouais, les allers-retours. Vite, t'échanges. Allez. Ah bon? Oh. L'indécision. Bah non, mais comme ça, ça tourne, quoi. Je crois que Pidi a choisi cette place pour être à côté de terrain. Et s'asseoir un peu aussi. Parce que non, en vrai, c'est bien quand ça tourne, c'est plus dynamique pour la vidéo. Ok. Alex, tu es du coup le finaliste avec les deux. Mais décroche pas, décroche pas. Je vois que vous avez fait une bonne participation, vous êtes maintenant acteur principal de cette vidéo. Je vous propose maintenant de sans regarder le maillot de notre invité Dobby, l'elfe, d'échanger sa boîte avec la vôtre. Ce sera votre choix final et n'oubliez pas... Les paroles. Les paroles. Elles sont jamais bonnes côté de Dobby. Hein, hein. Elle fait 13 cm. Putain, on a 8 cm de différence. Moi plus Dobby que toi. Alex, ce que je te propose, c'est d'appeler ta maman ou ton papa maintenant tout de suite. Mais non, ils sont au travail. Au pire, on peut appeler ma mère. Appelle... Ouais, au pire, on peut appeler la France. Vélo parle. J'espère qu'elle t'appelle... La peur qu'elle dit, mon bibou. Ouais, bébé. Et bah, elle m'aime pas. Hein. Ah, Véro a fait, elle a fait un prendre-voi laisser, les amis. Véro, ah, oui. Véro, 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 Véro. Ah ouais, c'est là, non, c'est pas la peine, une coquine, c'est une copine. C'est Véro ou un verre d'eau? Ou non, mais à plus tard, bisous, ma mère. C'était court, mais on a adoré. Court et intense, ça. Qui d'autre veux-tu appeler, Alex? Bah, je sais pas, moi, qui vous voulez appeler. Je peux appeler ma mamie, si tu veux. Du côté de mon papa. C'est la mère de mon papa. Ouais, mamie, ça va? Là, on est en vidéo YouTube et je vais te poser une question. Alexandre, le photographe, il a le choix entre deux boîtes, la sienne ou celle de Dobby. Est-ce que tu veux qu'il choisisse celle de Dobby ou qu'il garde la sienne? Sachant que je veux garder la mienne, c'est Dobby, je veux garder la mienne. Prenne celle de Dobby. Je vais reprendre le sang bon que je vous ai offert. Ah non? Ah bah si. Vous avez pas compris. Faut vous garder celle de Dobby. Allez. Non, mamie, non, t'inquiète, tu vas échanger. Non, je suis autour d'un étang là. Ah, en plus, tu te balades. C'est là où on arrive. Ouais, okay. Bon bah, le choix a été fait. Hein. T'as essayé d'acheter ma mamie, j'ai vu ça. Bah, du coup, t'ouvres maintenant toi. Le premier échange. Est-ce qu'il y a 500 000 euros? Attends, je vais. 500 000 euros, une brosse à dents. Faites les petites tapages. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Adidas. Eh, Winamax. C'est pas Evian Tonon? Ah, il est beau. Oh, il est beau. Merci, Dobby. Dobby, la boîte. On va voir Matisse, à côté de quoi t'es passé depuis le début. À la tournée, quoi. On dira pas son nom. Et c'est pas la seule à cette table. Oh, Lille. Ah, j'ai le seum. Oh, c'est Lille. Oh, j'ai trop le seum. Je vous ai tous niqué. Le seul maillot pour lequel elle aurait pu être impliquée. Et merci, mamie coquette. Merci, bah merci. Du coup, tu peux garder le sang bon, mamie coquette. Y'a pas de soucis. Oh, il est beau. J'avais vraiment choisi le meilleur. Ah ouais, t'avais le mieux là. Est-ce que ça vous dit de le mettre sur vous, s'il vous plaît? C'est vrai, ouais. Oh, le mannequin, t'es encore un cycliste. Y'a pas de marge là. Eh, mon crop top. N'hésitez pas à voter en commentaire qui a le plus beau maillot. Pour toi, Pidi, c'est lequel le plus beau? Bah, pas le tien en tout cas. Pidi, je le trouve vraiment beau. Par contre, celui de Toom, il est éclaté. Dans toutes les boîtes, il y en a une que j'ai cachée parce que je voulais pas la mettre en jeu. Donc, il y a le plus beau maillot que je trouve, donc qui sera déballé après. Et ça, c'est une boîte que j'ai pas voulu mettre. Oh, oh ok. Parce que je voulais le garder, mais je l'ai déjà. Ah, oui, d'accord, ok. Le maillot third du Stade Rennais. Ouais, on tire une boule au pire. Théa qui choisit à qui va se battre. Bah, elle. Moi, je garde. Alex. Let's go. Merci Théa. Elle a regardé ton maillot, c'est pour ça qu'elle a dit ça. Elle a dit ça parce que c'était ton anniversaire. Ah. Voilà. Et enfin, le plus beau maillot. Je peux pas rentrer dans la boîte, ça peut pas être le plus beau. Il a mis du temps à le trouver hein, parce que c'est un vieux maillot. Quelle année? 2004. Comme Elliot? Ah non. Non, 2003. Ah ouais, forcément. Ça vient, non. Oh, c'est le Portugal. C'est d'une beauté. Mais non, c'est l'Espagne, c'est le mec un peu bête. Oh là 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 là. Oh, c'est vrai qu'il est beau. Le numéro 7, ce n'était pas CR7 à l'époque. Pigo. Pigo quoi.
Et c'est Fido. C'est Fido. Fido a été numéro 7 avant en Portugal. Est-ce qu'il est beau, les amis? Moi, le maillot de l'Euro 2004. Portugal. Ça fait vintage un peu? Ouais, j'étais là en 2004. Moi, j'avais 10 ans, j'étais en CM2. Mais tout neuf, ça veut dire. Ouais, il est neuf. Bref, les amis, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Merci pour les maillots. Un concept réfléchi depuis très longtemps. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Au bon maillot. Le bon maillot, je vous mets le site en description si vous voulez commander un petit coffret. En fait, c'est très simple. Vous achetez un coffret et vous avez un maillot totalement aléatoire. Ça peut être un maillot totalement nul comme un maillot totalement bien. Voilà, c'est totalement aléatoire. Exactement. Et c'est ça qui fait un peu durer le suspense, c'est le kiff, on a exactement. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, ça régale. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.